trié hein, pour que vous soyez là. On a gardé que les meilleurs. En fait, on va vous expliquer le concept, c'est quoi. C'est pas très cool ce qui se passe sur Terre, donc on va s'en aller là. Là, vous allez entendre un moteur. Voilà. Nous sommes dans une soucoupe volante et nous allons partir. Voilà, là on s'envole. Voilà, on s'envole, on décolle. Nous allons ensemble quitter la Terre pour passer 2 heures dans l'univers d'Arcy. Donc là, nous arrivons à la planète qui s'appelle To The Club et qui représente la joie et le bonheur qu'on a de jouer toujours avec vous. Ce soir, voilà, Monsieur To The Club. À réserver ce soir. On va vous emmener maintenant sur la planète de la sœur assassine. Ma sœur assassine. Une planète assez mystérieuse dont personne n'a jamais trop compris la signification. Je vous laisse la trouver ce soir. Une planète remplie d'eau glacée, on l'a retrouvée au fond. Avec un petit Stéphane Mallarmé en introduction. Thank you.
vent ni brûler nos ailes. Incestamère aux arômes clairs, on avait l'air de se plaire. On avait tout décidé, sauf d'y laisser nos chairs. Pourquoi t'as voulu partir plutôt que choisir d'en rire? T'étais ma sœur, une morsure fine que j'embrassais dans l'abîme. Tu étais là dans mes bras, reposant dans mes mensonges. Harmonieuse tentation, différente comme un songe. Arcis-sur-Cure, au moins ici vous connaissez tous Arcis-sur-Cure.
Et on est très très content d'être là encore une fois. On avait un très très beau souvenir ici et on est content d'être avec vous ce soir. L'avantage des voyages en soucoupe volante comme ça, c'est que vous partez dans le ciel et vous rencontrez des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc là, on est en train de voir, je ne sais pas si vous la voyez, vous la sentez comme nous, Stéphanie Caro. Stéphanie Caro qui est la première chanteuse du groupe qui nous a quittés pour aller dans le ciel aussi beaucoup trop tôt. Et qui nous a laissé une jolie chanson féministe, parce que c'est normal d'être féministe aujourd'hui et tout le monde doit l'être, que Tiffen va nous interpréter. Donc en hommage à Stéphanie qui nous a laissé cette chanson et qui est sur l'album aussi. Un homme, ce serait mieux. Un beau qui me dévore des yeux, qui donne la pâte et remue la queue, qui fait quand il me voit, il me dit: viens, je t'accompagne. Veux-tu devenir ma chienne de garde? Je tiens la langue et je le suis. Déjà fidèle, déjà lui. Toi t'es à moi maintenant, tais-toi. J'ai un point d'interrogation. Il lève son poing, il devient con. Je regarde la gueule en montrant les jambes. Je gémis, je jappe et je couine. Je lève un œil, je vois mon chien. Un grand sourire sur les babines. J'ai du Larsen dans mon retour, Julien, s'il te plaît. Merci. Donc la prochaine étape, on va sortir, faire un petit tour en vaisseau juste Tiffen et moi. Alors juste maintenant, c'était que des chansons d'Arcy, donc vraiment d'Arcy. J'ai toujours du Larsen. Là, c'est mieux. Là. Voilà, en fait, quand je parle pas, c'est mieux en fait. Donc vous me le dites, hein, si vous voulez. Tais-toi, mon sœur. On va faire un petit tour en soucoupe volante maintenant, du côté de la Seine-Saint-Denis, dans une Benz, tous les deux, rien que moi et Tiffen, pour vous raconter comment ça se passe à Arcy. Une reprise donc, elle n'aura pas beaucoup, mais celle-là elle nous tient à cœur. Laisse-moi zoom 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 dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu prends ton pop, ça m'entend, dun, dun, yeah. Oh, 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 oh. Girl, t'es sexy, viens voir que si tu original rockman dans la ville d'Arcy. Girl, t'es choqué dans ton Versace. Viens t'amuser avec un duché de célébrité. Y'all see.
danse avec moi. Alors bouge ton body, fais bander les bandits. T'en sortiras grandi fais ton lit. Non. Faut que ça brille et ça transpire. T'as tout en transpire. Faut que je respire. Donne-moi toi. Allez donne tout ce que t'as. Il reste que t'as. Et tout ça après tout ça. J'aime juste que tu puisses me faire kiffer. Ça se passe à l'arrière d'une mère Cobains du côté d'Arcy, baby. Voilà, voilà. Et là, le monsieur là-bas dit à sa femme, tu voyais, je t'avais dit de pas prendre une cambou, hein. Voilà, voilà. Donc, on va repartir, là, on veut repartir du côté d'Arcy, du côté de composition. Vous voyez la planète Les Vigilants, là-bas, la planète vigilante, avec plein d'hommes vigilants à ce que les inégalités sociales n'augmentent pas. Une planète de rêve. Une planète. Nous allons tous maintenant. Direction Les Vigilants. Qui vient dans ce qu'elle est, la chaleur que l'on sent.
Alors, quand on m'a dit, moi, c'est la galaxie du souvenir, on arrive vers la galaxie du souvenir. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre. Et oui, le 20 octobre, anniversaire de... Alors, je vous aime un petit peu. On l'a retrouvé quoi? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Ô âme immortelle, murmurons l'aveu de ces nuits si belles et de ces jours en feu. Bon, je veux plus facile alors. A noir, I blanc, E bleu, O rouge, des vieux, U violet. Vous voyez. Je suis un peu seul, mais c'est pas grave. Je dirais quelques jours de naissance. C'est l'anniversaire d'Arthur Rimbaud, s'il vous plaît, quand même. Bon. 176 ans, il aurait aujourd'hui. Voilà. Bon, ça se fait un peu. En fait, je dis ça parce que la prochaine chanson qui vient, donc on est dans la galaxie du souvenir. Hein. Là, on voit toutes les images qu'on a connues auparavant. Je vois l'image de votre rencontre. D'ailleurs, il n'a pas la même image que la femme, bref. Pas la même image que vous, lui. Du coup, bref, c'est la chanson qui s'appelle Je me souviens. C'est un hommage à Georges Perec. Je le dis parce que. Hier, en fait, je l'ai dit à chaque concert que c'était un hommage à Georges Perec. Et hier, la violoniste nous a très fiers envoyé une capture d'écran en disant « Regardez, il y a Georges Perec qui a appelé son livre comme notre chanson. » Il y en a qui suivent hein, quand je parle entre les concerts. C'est bien la peine d'essayer de se renouveler un petit peu. Bref, cette chanson s'appelle « Je me souviens ». C'est une des plus vieilles qu'on joue et on aimerait que vous la chantiez avec nous. Ça fait « Je me souviens », le refrain, c'est très simple. C'est facile. On y va. Il y a un peu trop de voix de Vincent dans les retours, du coup ça harcèle encore un peu sur celle-là. Ma cité en enfer, l'orage sur les rizières, les tourments du désert, sa mort pendant l'hiver, les joies dans ses regards, les minarets blafards, les oubliés hagards, les aurores des départs. Je me souviens de tout, de l'eau jusqu'à toi. De tout, de l'eau jusqu'à toi. La civière, cette bouche remplie de terre, l'illusion de la liesse, enfant sans palimpseste, blottie dans des caresses aux ruines d'une forteresse. Je me souviens de tout, de l'aube jusqu'à toi. Yeah.
Merci. Merci beaucoup. Nous voilà en direction de la planète virtuelle, la planète des écrans. Bonjour à tous les écrans. Une petite chanson pour Sylvie. Salomé, Salomé danse. On a bien rêvé jusque là. On voulait en rire, on voulait juste en sourire. Mais sans se mentir, on n'est pas prêt d'en finir. Salomé danse. Ce fut l'infini d'un réseau qui court sous ta peau, un désir sans fin. Hurler en mon sang, connecté pour demain, en abondance. Allez, danse, 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 Salomé. Allez, danse, danse.
Alors, en fait, on voudrait maintenant remercier les pilotes du vaisseau, parce qu'en fait, c'est nous ne sommes que la vitrine, hein, les pilotes. Je voudrais remercier au son Julien, Sébastien et Loane. Un grand bravo pour eux. Je voudrais remercier Guillaume, qui dirige l'endroit, et Sophie, qui travaille ici, qui ont assuré ce soir et qui tiennent le choc malgré les événements. Et un grand bravo, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'encouragement. Merci de faire vivre la culture. Et un petit merci particulier à Brice qui nous a préparé le meilleur risotto de l'histoire d'Arcy. Bravo Brice. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est l'heure de laisser un peu la place aux jeunes. Hein. On va laisser un jeune talent s'exprimer au chant maintenant. Ça va être sa première ce soir. Sur cette chanson, c'est une toute nouvelle chanson. Nous sommes sur une planète inconnue, là. Personne ne sait ce que veut dire cette planète, d'ailleurs. Une planète pleine de dessins un peu étranges. Si vous voulez savoir ce calice, quel calice, ce calice pour nous. Tout le monde, en fait, moi j'ai connu lui, puis lui il a ramené tous les autres. Voilà, je vous demande d'applaudir à la guitare Michel. On va partir sur une deuxième reprise parce que on nous a demandé de la faire, voilà. Donc on va la faire parce qu'on est un peu pressé en fait. Je sais pas, vous n'êtes pas pressé, vous? Non, vous n'êtes pas pressé, vous êtes bien? Ah oui, bon, bah. On va vous le faire quand même. Allez.
Christian. Merci. Merci beaucoup. Nous voilà dans une autre galaxie un peu inconnue. Déjà, on va faire un petit vote. Qui voudrait que la chanteuse à droite, qui a une très belle voix, qui s'appelle Tiffen, que je vous présente et que je vous demande d'applaudir très très fort. Tiffen, qui voudrait que Tiffen chante une chanson toute seule comme une grande? Alors là, on n'a pas entendu là. Pas tout à fait toute seule, j'ai besoin de ma petite fée aussi. Ah oui, oui. Alors, qui voudrait? Oui. Vous êtes bien, on a bien choisi un bon équipage là, on est bien. Le rythme de Steven. Parce que vous êtes tous très chauds et on vous remercie beaucoup de votre enthousiasme.
On va calmer un peu les choses, là, on va redescendre un tout petit peu. Une chanson, parce que dans l'espace, on croise du monde qu'on connaît, on croise même certains de ses parents, sa mère, par exemple. Donc voilà, une petite chanson sur toutes ces mamans qui partent beaucoup trop vite. Et comme disait Romain Rolland, l'amour de mère est une promesse que la vie ne tient jamais. Romain Gary, merci. Il y en a qui suivent, c'était pour voir, c'est sûr, il n'y a toujours pas. Hein. Une promesse de l'aube. Il y en a qui écoutent. Faut corriger un peu de temps. Non, mais je suis obligé de tester un peu, sinon ils n'écoutent pas. Hein. Non, c'est bien, les gars, bravo. C'est pour voir si on suit. C'est ça. Merci beaucoup. Les deux à suivre. Ouais, je félicite pas les filles, non. Je voulais pas le vexer. Oui. On l'a briefé, tu fais. Bon, comme un nuage. Mais toi, tu rigoles. Métro ligne 9, chaussée d'Antin, radio cassette. Et toi, le soir qui serre mon poing.
alors c'est là que ça devient très très compliqué en fait. Je vais vous présenter ma petite voisine, ma grande voisine, ma belle voisine. La petite fée du groupe, hein, celle qu'on a trouvée sur le haut de sa colline, perdue, qu'on a ramenée près de nous, près de la rivière. Ainsi, je vous demande d'applaudir très 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 fort et d'encourager Silène. Silène qui va nous jouer sa chanson. Une chanson qui n'est pas sur l'album qui est à vendre là-bas, hein, on vous le rappelle, si vous ne l'avez pas encore, ce qui est très peu probable, et si vous ne l'avez pas encore en double. Donc sa première chanson, donc, c'est une première chanson qu'il va jouer pour la première fois ce soir, tout nouveau, tout beau. Un petit coup de vodka, non? Voilà. Pression qui monte. Pourquoi je le sens pas, lui, sur son siège? Si. Alors je joue de la guitare, ça m'arrive plus beaucoup. Par contre, bon, cette chanson s'appelle L'Envolée, même si c'est pas complètement définitif. Que d'émotions, que d'émotions. Eh oui.
Alors nous allons maintenant chanter la chanson qui est le titre éponyme de l'album, c'est ce qu'on dit en fait. Empreinte, une chanson qu'on a écrite pour un message transgénérationnel, comme vous l'avez vu dans le groupe, on a plusieurs tranches d'âge. Hein. Voilà. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. Voilà, donc il me semblait important d'écrire une chanson sur ce qu'on allait laisser aux autres. Et puis une empreinte, c'est le titre de l'album, parce que finalement, ça fait 5 ans qu'on tourne ensemble, tous les 6. C'est avant tout une histoire d'amitié et humaine, autant que musicale. Et jusqu'à maintenant, on n'avait rien qu'une empreinte, c'était que des moments, ce qui est déjà magique. Et puis là, on a cet album d'un seul coup qui est une empreinte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a été. Donc on est très content de l'avoir. Voilà. Empreinte. Sans jamais renoncer aux éternelles passions, car il leur reste, à l'heure où la vie bourgeonne ses faiblesses, du souvenir de nos automnes, car il leur reste, à devenir en somme un peu plus vieux qu'aujourd'hui nous le sommes. Les doigts fouillant la terre, le corps tendu vers l'été, face aux gladiateurs numériques, les esclaves pouces levés, car il leur reste à devenir en somme plus charnel qu'aujourd'hui nous le sommes, car il nous reste de cette raison que l'on donne des promesses qui ne trompent plus personne.
La vie coule en ruisseau au coin de nos visages et creuse sur nos sourires d'intermittents voisillages. Vous dire selon voyage qu'a fait Louis Ferdinand, car l'odieux du naufrage surgit au fil des ans, car il vous reste, avant que l'heure ne sonne, quelques pas pour encore changer la donne, car il faudra qu'un jour on nous pardonne cette étoile entourée de carbone. Clip disponible sur YouTube pour cela, si vous voulez voir le château du Chastenay, le château le plus hanté de France selon certaines histoires. Qui se trouve à Arcy-sur-Cure. Voilà. Où ça pourrait être d'autre, à part Arcy-sur-Cure, quoi d'autre? Bon, alors nous arrivons tout droit en direction de la planète Vérité, et celle-là on ne sait pas vraiment si elle existe vraiment, on se demande toujours, est-ce que parfois la vérité... Je ne sais pas. Monsieur Michel. Thank you.
cette chanson n'est pas non plus dans l'album parce qu'elle est toute neuve, comme celle de Sylène et comme celle de Michel. Et je vais en profiter pour présenter derrière moi celui qui a le plus de chance ce soir, qui a la plus belle vue et de très très loin. Vous l'avez tous reconnu, je vous demande d'applaudir le magnifique batteur Baptiste. Puis on va finir avec quand même le bassiste, le discret, dont on ne dit jamais rien, si ce n'est qu'on l'a trouvé dans les forêts du Morvan. C'est la première fois ce soir qu'on lui donne un micro. Eh oui, ça là, ça y est, c'est la notoriété. Je vous demande d'applaudir de toutes vos forces, Alain. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on le présente. Une énergie incroyable, un humour un peu particulier, mais bon, ça on lui dira pas. Et en tout cas, quelqu'un qui nous a rassemblés autour d'un projet incroyable. Ce projet a abouti avec le CD que vous pouvez acheter aujourd'hui. On en est tous très fiers. Et ça se poursuit, ce projet, avec d'autres chansons qui apparaissent. Et une envie folle de continuer ensemble et de se rassembler encore et toujours devant un public comme vous. Il s'agit de Vincent. Ouais. Alors, il y a Snoopy qui est là, hein. Je remercie Brieux qui me l'a amené parce que j'ai oublié. Alors on va continuer en partance on va passer près d'un soleil. Hein. Un soleil qui rayonne des profondeurs, monsieur Michel. Allez. On compte sur vous pour ce morceau.
Alors maintenant, nous allons vous faire une petite reprise que vous allez tous chanter avec nous. Nous passons tout près de la planète soviétique. Une chanson de... tous russe couramment, ah oui. D'accord. Parce qu'on nous a dit que oui quand on est venu. Hein, c'est comme ça qu'on a sélectionné les gens, normalement. Il y avait une case russe, c'était obligatoire, on est d'accord. Personne ne soit surpris. Donc une chanson russe qui parle de changement, qui a été écrite dans les années 90 par un groupe qui s'appelle Kino, qui est un des plus grands groupes de rock russe, sans doute magnifique. Qui parle d'un système qui s'écroule et d'un nouveau qui doit naître, d'un système qui s'écroule terrassé par des phénomènes extérieurs et un nouveau qui doit naître et qu'on doit reconstruire, ça vous rappelle rien? Voilà. Donc c'est une chanson pagaie, c'est le titre de la chanson. Voilà. Dangereusement de la fin, mais avant on va en baver un petit peu quand même. Hein. Qui voudrait que la chanteuse Tiffen en bave un peu? En bave un peu et chante une autre chanson. Attention, à vous. Plus fort. Ah, merci Marie, allez les lumières comme vous êtes beau, plus fort. Yes, vous êtes trop beau, vous êtes trop beau. Merci beaucoup. Allez, on va en baver. Surtout toi. Thank you.
Merci, merci beaucoup. On va arriver vers la planète A. La planète A. La planète A comme la parenthèse. Elle avance, elle avance. Chanson cachée en toute dernière, ouais. Une chanson pour célébrer la naissance de la fille de notre chanteuse, du prénom donc de sa fille. Voilà. Bon, on dirait pas là, mais elle est une très jeune maman. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps, je dirais. Il n'y a pas longtemps qu'elle est maman, voilà.
Oui, la petite a 10 mois et demi. Voilà. La mère a. Okay. Qui a vraiment 10 mois et demi, mais bon. Qui a 10 mille? Donc voilà, c'est une chanson cachée que vous allez découvrir. Pour l'instant, on va vous faire la dernière de la chance de l'album. Empreinte donc. Et après, il y aura une petite surprise finale pour que vous tapiez tous dans vos mains. Mais merci beaucoup en tout cas d'être là. C'est bientôt l'atterrissage de notre vaisseau. On va revenir sur Terre. Sur vous, je vous plains. Mais merci beaucoup. Ça a été un superbe voyage avec vous. Pardon ? Ouais, c'est cool. Médiateur. Michel, t'as un médiateur ? Vous n'avez pas un médiateur ? Ouais, je vais faire autre, c'est pas grave. Allez, il y a tous des... On a réussi à la... Dans la région secrète, la région où il y a beaucoup d'aunes, de zones, d'ombres, celle où on ne dit pas tout, mes zones et mes ombres. Chanson, une petite dernière pour taper dans vos mains. Vous êtes prêts? Ah, j'adore, j'adore quand elle fait ça, j'adore. What can we do with the drunken sailor? What can we do with the drunken sailor? What can we do with the drunken sailor? Oh, hey, up she rises, and the morning.
morning. Okay, I'll let you rise and go. Hey, I'll let you rise and go.
Merci beaucoup.